Moi je préfère ça, t'as qu'un crevole. Ouais, allô, c'est Ryan. Tu veux que je crève? Eh ben je vais crever. Mais sache que toi t'as été une belle salope. Salut, c'est Ashley. Ben je suis pas là pour le moment. Alors si tu veux mettre un message sur mon répondeur, y'a pas de soucis. Bye bye. Parce que toi, moi j'attendais juste de le voir traverser. Et paf. Tu vas pas lui dire adieu? Il t'a pas encore tué? Il ne m'a pas tué, il m'a sauvé au contraire. C'est ce qu'il veut te faire croire. Je préfère être une salope qu'être une pute. Oui, je pense pouvoir vous aider à retrouver Matt Brunner, le mec que vous cherchez. C'est là que t'as tué Ryan. Non, c'est... Tu manques de respect. Je te jure, je te défonce ta gueule. Je te crois, mais... Je suis contente que tu aies venu me chercher à la gare. Ah, ça fait plaisir. Puis je suis contente aussi que tu m'accueilles chez toi pendant quelques jours. Mais c'est normal, j'allais pas te laisser rentrer chez toi et que tu continues de te faire tabasser par ton mec. Oui. Il a pas pété un câble par hasard? Il serait peut-être temps que tu mettes fin à tout ça, non, tu crois pas? Ouais, mais... Tu restes chez moi si tu veux, je vais chercher quelques affaires à toi et... Non, je préfère l'éviter, j'ai pas envie de le voir. J'ai vraiment pas envie de le voir en fait. C'est pour ça que j'irai moi, ça me dérange pas si non, non. On l'évite, et ce sera mieux comme ça. Comme tu veux. Ouais. C'est quoi quand on va rentrer? On va se mettre un bon film, ça va être détendu. Avec une bonne pizza. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture d'Eden. Tu veux qu'on fasse demi-tour? Non. On peut prendre un autre chemin si vraiment ça t'inquiète à ce point. Non, c'est pas normal, je vais aller voir. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? Je croyais que tu voulais l'éviter. Ouais, je sais, mais c'est plus fort que moi. J'ai envie d'aller voir. Mais d'aller voir quoi? On s'en fout qu'il soit garé là. C'est pas normal, d'habitude il se gare pas là. Et alors? Et alors c'est qu'il y a un truc louche là. Oui, bah tant pis pour son truc louche. Nous, on a eu assez affaire à lui, donc non, on va faire des retours. Je suis une grande fille. Je peux aller voir. Si il y avait quelque chose, t'es là, non? Viens avec moi. On a quelques secondes. On va aller voir. C'est pas normal. Il est dans la voiture. Merci, je vois bien qu'il est dans la voiture. Je vais aller voir ce qu'il fait. Non, tu vas pas voir ce qu'il fait. On a rien à foutre parce qu'il est en train de payer. Mais je vais aller voir, c'est bon? Je crois qu'il a fait un malaise. Edan? 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 Matt? Il va pas se réveiller! Je sais pas ce qu'il a à voir! Matt, il est mort! Il est mort! Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu la dernière? Tu sors avec Ashley? Non, 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 je sors pas avec elle. J'aurais peut-être pu, hein, si son ex-petite amie n'était pas mort, assassinée. Oh. Et tu me dis ça parce que... Je t'en prie. Cette fois, c'est trop. C'est trop. Depuis qu'on est ici, Dylan, il y a disparition sur disparition. Il y a des meurtres en tout genre. Tu peux plus dire que c'est pas toi. Mais je croyais que tu pensais que c'était pas moi. Ouais, bah j'ai eu tort. Peut-être qu'après tout, à force de tuer les filles, t'as juste pris goût au meurtre et tu tues les mecs aussi. Dylan, ça fait beaucoup trop là. Quelqu'un va finir par regarder dans notre direction et on va être dans la merde. Oh, je t'en prie, on risque rien. T'es en train d'avouer? Non, j'avoue pas. On risque rien de 1, parce que j'ai rien fait, et de 2, parce que t'es trop bien avec les gens pour qu'ils puissent se dire que c'est toi le meurtrier. Mais le fait est que je ne suis pas un meurtrier. Écoute, crois ce que tu veux, d'accord? J'en ai marre d'être là à t'écouter et à tout prendre sur la gueule à chaque fois. Et moi, tu crois que je suis là pour quoi? Pour t'accuser de tout? Oui, et ben non! Je suis là pour prendre un nouveau départ, et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, avec ou sans toi. Désolée, je voulais pas te faire peur, tu vas bien? Je suis désolée pour Eden, j'ai appris ce qu'il est arrivé. Ouais. Et on dit que c'était un meurtre? Ouais. Et t'as pas une petite idée de qui pourrait avoir envie de tuer? Enfin, on aurait pu avoir envie. Écoute, Jess, si tu viens me voir pour mettre en tête que Matt a tué Eden, tu peux partir là où tu viens. M'ouvre les yeux, putain, Ashley! Putain, c'est pas vrai! Mais il se bat avec Ryan, on le retrouve mort. Il te veut pour toi tout seul, mais Eden lâche pas l'affaire, on le retrouve mort. Allô? Mais c'est pas mal, putain, il m'a sauvé! Eden, s'il serait pas mort, c'est moi qui serais morte. Tu vois? Et tu veux savoir un truc? Bah, si c'est Matt, c'est encore mieux. Parce que moi, j'ai besoin d'un mec qui tue pour moi et pas d'un mec qui veut me tuer. T'as un problème? C'est toi là, c'est toi qui t'as un problème. Je pensais que t'allais venir et qu'on allait s'entendre à nouveau. Mais à chaque fois t'es là et tu fous ta merde, tu commences à me saouler. Ça y est, t'as fini? Oui, j'ai fini. Vas-y, je me casse. Sale pute. Mais bonjour, c'est Jessie Kempf. Je vous appelle juste à votre mail. Je sais que le mec que vous cherchez, c'est celui que j'ai trouvé. Mais... vous me demandez des preuves que je peux pas vous fournir. Si vous n'acceptez pas mes photos parce que vous pensez qu'elles sont modifiées, vous voulez que je fasse quoi, moi? C'est même pas pour la récompense qu'il y a à la fin. Je m'en fiche de l'argent. Tout ce que je veux, c'est que tout devienne normal. Et éviter de retrouver ma meilleure amie au fond d'un ravin. Égorgée, en plus de ça. Des aveux. Mais comment est-ce que vous voulez que je fasse pour lui faire avouer? Je peux pas juste en russe, ça va? Bah oui, bah c'est débile. Parce que si vous pensez que je peux modifier des photos, bah dans ce cas-là, je peux aussi modifier des voix. Quel genre d'information? Mais il n'aime même pas, je vous dis, comment vous voulez que je lui fasse avoir un... Oui, je vous rappellerai. C'est quoi cette mongole, là? Putain. Que tu regardes? T'es fâché? Je regarde dehors. Et tu vois quoi, à part la façade d'en face? Bon, oui, je suis fâché, ok? Parce que tu me prends pour le même monstre qu'autrefois.
Mais Dylan, comment est-ce que tu veux que mon opinion sur toi, elle change? Tu pourrais essayer de croire en moi, je sais pas, au moins un petit peu. Tu crois que c'est facile de rester enfermé dans cette baraque sans possibilité de pouvoir sortir et parler à qui que ce soit? Cette situation n'est pas éternelle, je veux juste m'assurer que tu ne risques rien. Matt, je ne risque rien, je suis mort. Théoriquement, oui. Non, pas théoriquement. J'ai pas d'amis, tout le monde me croit mort et je suis pas sorti d'ici depuis qu'on a emménagé. Faux. Non, c'est vrai. Arrête de croire que j'ai tué Edan, parce que c'est pas moi. Je ne faisais pas référence à Edan. Je faisais allusion au jour où tu t'es barré pour foutre le bordel chez Jess, histoire de lui faire peur et que t'es revenu tacher le sang. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Mais là encore, je n'ai tué personne. Non, t'as raison. Toi, tu t'es juste contenté de te battre avec un mec qu'on a retrouvé mort quelques heures plus tard. Pour toi! Pour prendre ta défense, d'accord? Je me suis fait passer pour toi! Encore une fois, parce que t'étais pas là, vu que toi, tu sors de cette maudite piole! Putain, mais Matt, réveille-toi! Non, toi, réveille-toi, Dylan! Oh, mais moi, je suis bien réveillé, ça, t'inquiète pas! Tu veux prendre un nouveau départ? Parfait! Je prends mes affaires et je me casse! Comme ça, toi, t'auras qu'à inviter Miss Parfaite à venir vivre avec toi! N'importe quoi! Bien, bien! Comme tu veux. Casse-toi. Fais tes valises et barre-toi. De toute manière, il serait peut-être temps que je commence à faire ma vie, plutôt qu'essayer de réparer la tienne. Comment ça va? J'ai appris pour la mort de ton copain. Apparemment, on a retrouvé le bras. Ouais, dans non, la chambre. Mais c'est bon. Puis de toute façon, il n'y a pas de quoi. C'est pas mon copain. Enfin, ah, bah ça bien. Va alors. Oui, même très bien. Tu peux partir? Partir déjà? J'ai à peine d'arriver. Tu sais, on peut discuter. Hein. De quoi? Bah, de tout et de rien. Tu sais, je t'aime bien. Ah, super. Ouais, comme ça, le jour où tu te sens seul, tu sais que je suis là. On peut parler. Ouais, non, mais. Non, puis de toute façon, je suis jamais toute seule. Donc c'est bon. D'accord, de toute façon t'as mon numéro. Ouais. T'es sûr? Non, mais j'ai pas une vérifiée donc. D'accord. Ouais, allez, ciao. Ciao. Attends, tu sais pas comment une fille pourrait faire pour gagner la confiance d'un mec? Le cul. Le cul? Bah oui, si tu couches avec lui, t'obtiendras tout ce que tu veux. Attends, je t'arrête tout de suite, c'est pas moi. C'est qu'une question. Hein. Mais admettons que la paix, que le gars en question, il aime pas la fille. T'inquiète pas pour ça. Un mec, il pense qu'au sexe. Si tu couches avec lui, t'obtiens tout ce que tu veux. Essaye, tu verras. Mais je te répète, c'est pas pour moi, c'est qu'une question, mais... Voilà, c'est tout. Merci d'accord. Pour ta réponse. Ciao. Alors, t'as fait tes valises? Tu me fais rire, toi. Tu veux que j'aille où? Ah bah, je sais pas, moi. Hein. C'est toi qui veux te barrer. Écoute, Matt. Pendant combien de temps encore est-ce qu'on va se prendre la tête comme ça, tous les jours? Bah écoute, tant qu'il y aura des morts tous les jours, on se prendra la tête tous les jours. Tu vois? Tu reviens tout le temps avec les mêmes sujets, tu remets tout le temps la même chose sur le tapis, c'est ça qui fait tout péter. Je sais pas, tu veux pas de temps à autre changer de conversation? On pourrait parler de... De quoi? Toute notre vie tourne autour de ça, désormais. Oui, désormais. Mais, je sais pas... Tu penses jamais à notre enfance? Si, très souvent. Tu te souviens? Quand papa nous a emmenés au lac, et qu'en voulant jouer aux pêcheurs, t'es tombé dans l'eau. C'était pas drôle. Il t'a repêché. T'as repêché par les cheveux avant que tu te noies. Quelle idée j'ai eu aussi de vouloir pêcher avec des branches. Tu pouvais pas deviner que ça resterait coincé. C'est clair. J'aurais pu mourir ce jour-là. Ouais. Mais tu es là. 10 ans plus tard. Avec toi. Et on n'a pas changé. C'est clair. Tu
Tu te souviens quand t'as présenté ta copine à maman? Laquelle? Pocantas? Non, pas l'italienne. La Pouchasse. Ouais. La première fois que je l'ai ramenée à la maison, elle m'a dit « J'aime pas ce genre de fille, il y a tout gros chez elle. Sa tête, ses yeux, sa bouche, limite elle l'a traitée pute. » La seule copine qu'elle ait pu aimer, c'est la tienne. Sarah ? Ouais. Matt, écoute, je te jure que c'est pas moi qui ai fait du mal à Sarah. Arrête. S'il te plaît. Moi non plus, j'ai plus envie de me prendre la tête, alors... Peut-être qu'il serait juste temps de tourner la page. Oui. D'arrêter de parler de meurtre. Il serait peut-être temps aussi que tu vois depuis qu'on est ici. J'ai tué personne et qu'il y a vraiment un psychopathe dehors. Réponds-lui. Non. Je passe du temps avec mon frère. Salut Matt. Ouais, c'est Ashley. Écoute, je n'arrête pas de tomber sur ta messagerie. J'espère que je t'ai rien fait de mal. Enfin, j'espère que c'est pas Costa que tu me réponds pas. Ou alors du moins, je voudrais bien le savoir. Est-ce que tu peux me rappeler sur toi ce message, s'il te plaît? Bisous. Eden? Oui, qu'est-ce que tu veux? Entrer, discuter, c'est possible? Ça dépend. Si tu viens pour m'insulter et me prendre la tête, je crois que c'est pas la peine. Non, c'est une petite chose. Tu veux t'asseoir? De quoi tu veux me parler? D'Ashley. Quoi? T'es pas content par France 50? Faut que tu saches qu'on s'en fout de ce que tu penses, d'accord? Ça changera rien. Non, au contraire, je suis contente pour vous. Je comprends qu'elle fasse autant amoureuse de toi. Tu souffres quelque chose? Non, tu veux quelque chose à boire? Pourquoi je t'intéresse pas, maman?
Pardon ? T'inquiète, c'est qu'une question. Pourquoi avoir choisi Ashley qui est tout coincé à moi ? T'as pas photo ? Ok, d'accord. Alors, Jess, écoute, je sais pas ce que tu veux là, mais je vais te demander de partir. Réponds juste à ma question, ou quoi t'as peur ? T'as rien ? J'ai peur de rien. Regarde, t'as chaud toi ici. Non, j'ai pas chaud, d'accord ? Maintenant, s'il te plaît, tu fais le plaisir de partir, Jess. Allez, un petit bisou avant que je parte. Faut pas trop coincer parce que t'en fous, t'es vraiment cool parce que je cherche. Non, mais ça m'intéresse pas ! Mais t'es pas bien ou quoi ? Si, justement ! Je crois que c'est toi qui as un problème, d'accord ? Alors maintenant, tu te casses ! Tu vas me faire une très grosse erreur. Une très grosse. J'assume, salope. Quoi ? C'est qui la salope ? C'est toi, salope. D'abord, j'en ai eu qu'un, ok ? Et de deux, bah, je t'ai répondu vu que je t'ai dit de venir ici. Ouais, bon, entre ta version et la mienne, y'a pas beaucoup de différence. Ouais, quand même, s'il te plaît. Dans l'une, je te réponds. Dans l'autre, non. Bref, laisse-moi rentrer. Je t'en prie. Je peux savoir pourquoi tu répondais pas à mes appels ? C'était pas vrai, non. J'étais occupé. Bah dis donc, ça t'a pris vachement de temps pour me rappeler seulement maintenant. Désolé, c'était pour des raisons familiales. Et ça va aller ? Je vais aller. Attends, j'ai pas trop le choix. Tu vas en parler ? Je me rends compte qu'au final, tu m'as pas vraiment parlé de ta famille. Faut dire qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour parler non plus. Et puis, c'est un sujet assez sensible. Désolée. C'est rien. En fait, je vivais dans une toute petite ville avec ma famille. On vivait une vie parfaite, tu vois. Une grande maison, des voisins vraiment... vraiment géniaux, mais... et c'était rare qu'on se dispute. T'es parti ? Je suis pas parti. Un soir, ma maison a pris feu et je suis le seul à être sorti à temps. Oh, mon Dieu. Je suis désolée, je savais pas. C'est pas grave. J'ai appris à vivre avec. Après, j'ai trouvé cette petite baraque et me voilà. C'est tragique. Comment tu fais pour surmonter ça ? Moi, j'ai perdu mon père il y a quelques mois et j'arrive pas. J'ai perdu Eden. Et toi, t'as perdu ta femme. C'est de horrible. Je sais pas comment tu fais pour... Je pensais que ça allait être le bon moment. Yeah.
Three toes. Wow. J'ai une question. Ouais. Est-ce que c'était... Non, laisse tomber. Non, vas-y, dis. Est-ce que c'était ta première fois? Pourquoi? J'étais nulle, c'est ça? Non. Pourquoi t'as dit waouh alors pour me faire plaisir, c'est tout? C'est pas ce que j'ai dit, Ashley. C'est juste que comme tu... Comme toi et Eden, vous étiez assez... Comme il te frappait plus qu'il ne te caressait, je me demandais si vous aviez déjà fait ce genre de choses. Ah, ouais. C'était la seule fois où il était tendre avec moi. Ok. Oh, tu te fous de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule, désolé. Tu te fous de ma gueule. Non, je repense à un truc, c'est ça. Tu penses à quoi? À rien, un truc qui est arrivé ce matin. Je peux savoir? Mais non, c'est pas important. Mais je veux savoir quand même. C'est pas important. Mais... Maintenant que je suis dans ton lit, tu peux me raconter ta vie? Ok. Je t'écoute. D'accord, mais alors tu me promets que tu vas pas t'énerver? Venant de toi. Mais qu'est-ce que tu me veux? Il est où, Matt? Parti faire des courses. Faire la rentrée d'enfin. Et pourquoi t'as son téléphone? À quoi tu joues, Ashley? Il l'a oublié. Et de toi à moi, quand je suis la seule à pouvoir poser une question. Donc, à quoi tu joues? Yes. D'où tu as chez lui faire du rentre-dedans et toi t'es salope? Moi, une salope? Fais pas la maline, Ashley. Et donne-lui même pas un commentaire que tu fais sauter par le nouveau. Toi et moi, tu vois. Casse-toi. Vous êtes des malades, vous allez bien ensemble. Et tu reviens de près, tu peux dire pouf, viens. Tiens, tes affaires, tes choses, et ton sac, vas-y, casse-toi. Ah. En fait, t'as oublié ton téléphone. Ah, et puis... Voilà, je te parle de la télé. C'est Jess, écoutez, maintenant j'en ai plus rien à foutre de vos preuves. Ça empire, là, ça va vraiment trop loin, ma meilleure amie, elle s'est complètement retournée. Et je veux pas qu'elle disparaisse, elle aussi. Alors maintenant, soit vous bougez votre cul à l'adresse que je vais vous envoyer, soit je me débrouille toute seule. Mais une chose est sûre, c'est que, avec ou sans vous, Matt Baker va payer pour ce qu'il a fait. Putain.
pas. Je sais, je me suis... Tu m'as demandé de ne pas m'énerver, mais je suis jalouse, c'est tout. Quand même. Arrête de rire. Je connais Jess. Elle m'a raconté des choses horribles sur toi juste pour te faire du rentre dedans, cette salope. Oui. Bon. Et au moins maintenant, elle a bien compris les choses. Tu lui as tellement bien fait comprendre d'ailleurs qu'elle est partie en boitant. Et j'ai plus de télé. Eh oh, la télé, c'est pas moi. C'est Jess là qui a fait ça à la en l'achetant par terre. Je suis contente qu'on se soit retrouvés. Avec toi, je me sens bien et je me sens en sécurité. Puis, je suis heureuse. C'est un nouveau tournant pour moi maintenant. Je suis heureux pour toi alors. Et pour nous, bien sûr. T'en dessin ? Je vais me servir à boire. Tu veux qu'on s'y mette un film ? Pourquoi pas ? Pas là pour le moment, alors si tu veux me laisser un message sur mon répondeur, y'a pas de soucis. Bye bye. Ashley, faut que tu m'aides. J'ai été kidnappée. Là, je suis dans un bureau et je...